Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de Snapshot. Aujourd'hui, on va parler de la 20W16. Pour commencer, on va parler d'un nouveau bloc. En effet, cette Snapshot a ajouté le Chain Block, qui est un bloc décoratif. Il se craft à l'aide de deux pépites et un lingot de fer, mais peut également être trouvé dans les bastions, que cela soit en se générant ou en se trouvant dans leur coffre. Les ruines de bastions, justement, sont des nouvelles structures qui apparaissent dans n'importe quel biome du Nether à part les biomes Basal Deltas. Il en existe 4 types différents, les ponts, les écuries d'Oblin, les logements et les salles au trésor. En plus de pouvoir trouver des chaînes dans les coffres des bastions, vous pourrez également retrouver plein d'autres items comme des diamants, des items en netherite, des blocs d'or, des flèches spectrales, des livres enchantés sous le speed, du stuff en or, des arbalètes, des magma crimes et encore plein d'objets différents. Mais en plus de tout ça, vous pourrez également retrouver un nouvel item exclusif aux bastions, un nouveau CD qui s'appelle Pickstep. Les motifs de bannière Pigling peuvent d'ailleurs être trouvés dans ces coffres de bastions. Comme autre structure, on a également l'arrivée des portails du Nether en ruine qui peuvent être trouvés dans le Nether ou dans l'Overworld. Ils pourront être cachés sous terre, sous la mer ou même enfouis dans le sable et seront accompagnés d'un coffre avec quelques items comme des pommes d'or, de l'obsidienne, des briquets, etc. Ça fait toujours plaisir. Au niveau des changements, on a aussi une légère modification des textures sur les quartz briques et les chisel Nether briques. Une augmentation de la quantité des lacs de lave pour rendre les biomes Delta plus deltaire. Ouais, vous savez, Mojang et les noms, c'est... Ben voilà quoi. Ainsi que quelques changements techniques au niveau des structures blocs et la possibilité de monitorer les serveurs via JMX. Je sais pas du tout ce que c'est. Non, ne me regardez pas comme ça, j'en ai aucune idée. Pour plus de détails, je vous laisse le changelog de Mojang dans la description. Et voilà, c'est la fin de cette Snapshot 20W16. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ainsi qu'à activer la cloche afin d'être notifié de nos prochaines vidéos. D'ailleurs, si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous car ça nous aide grandement. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Allez à toutes!